Hello friends and welcome on this platform. Parlons de André Onana. André Onana, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football moderne. Oui. Et à l'heure actuelle, André Onana reste toujours performant et il a les bonnes statistiques. Malgré le fait que André Onana avait été humilié lors des deux dernières compétitions du Cameroun, en Coupe du Monde, il avait été humilié. Et selon ce qu'on a appris, c'est que le coach demande aux joueurs de proposer des choses et tout. Et quand les joueurs proposent, le coach impose et le coach ne veut pas que les gens donnent leur avis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas que, à votre époque, vous étiez en train de dire, on ne peut pas vous faire telle ou telle autre chose parce que vous êtes des professionnels. D'accord, on a vu ça avec des résultats. Mais à l'époque de vos enfants ou vos jeunes frères, vous ne voulez pas que vos jeunes frères vous disent que non, ici, moi, je suis bon ici, regardez ce qu'il faut faire. Et là, on a vu que André Onana n'avait pas été protégé lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il n'avait pas été protégé. On l'a livré à la vindicte populaire. Le but, c'était quoi? De détruire sa carrière. Mais comme Dieu ne dort et que le garçon travaille, il faut dire qu'en Coupe du Monde, je me suis trompé de bonne foi à ce qui concerne André Onana, ce qu'il avait dit. Oui, mais seulement avec le recul, je vois qu'il y avait un réel problème au sein du management de cette équipe. Il y avait un problème de compréhension, il y avait un problème d'ego avec le sélectionneur. Oui, en train capi, en train ceci et tout cela. Sauf preuve de contraire, c'est lui qui était le responsable de tout ça. Parce que Rigaud pouvait protéger André Onana. On arrive en Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Que se passe-t-il? André Onana arrive en retard 7. Mais après que Manchester United a discuté avec la Fédération Camerounaise de Football et le management des Lions Indomptables, on a permis à André Onana de jouer son dernier match contre Tottenham le 14 avant de prendre le jet privé affrété par Manchester United qui est arrivé à Côte d'Ivoire et qui était là stationné, qui attendait André Onana pour repartir avec lui. Et on a vu que ce garçon, le premier match, il n'a pas joué, il n'y a pas de problème. On peut dire qu'il est venu la veille. Mais on a vu les autres à l'époque en 2003. Et toi, a joué avec l'équipe nationale du Cameroun, il est allé jouer avec Mallorca, il est revenu. Pourquoi on n'a pas mis André Onana? Bon, on a mis Fabrice Ondoa, qui était le meilleur gardien en Cannes en 2017. Il avait une très belle performance, mais il n'a jamais trouvé un grand club. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et aujourd'hui, il n'était pas le meilleur dans cette équipe. Il y avait le gardien de l'Olympique de Marseille, Simone Guillembou. Je ne sais pas si c'est prononcé bien son nom. Il y avait Davis Epassi, qui sont tous en activité. Mais par contre, Fabrice Ondoa, qui n'est pas gardien, parce qu'il est troisième, donc il ne joue même pas pratiquement en France, dans les équipes de troisième division. C'est lui que Rigobert Song a préféré. Et on a vu les conséquences. Et les gens qui défendaient cela, qui m'ont expliqué que non, on a eu tel gardien, on a eu tel... Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi est-ce que Eto'o, qui était performant à l'époque, quand il jouait à l'équipe nationale, on ne le mettait pas au banc? Pour dire qu'on avait eu tel neuf qui n'était pas encore, mais il était bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si les gens sont performants, on les met au stade, sauf si dans ce poste, on n'avait pas quelqu'un. Parce qu'à l'époque où les gens disaient qu'il y avait un gardien qui n'avait pas de club, mais qui était bon, il n'y avait pas de gardien en tant que tel, camerounais. Mais quand Idriss Kamini Kalous est arrivé, il était titularisé, il était bon en club. C'est de ça qu'il est question. Donc, certaines personnes argumentent avec la mauvaise foi. D'autres, c'est pour faire avancer l'argument. Mais d'autres, c'est pour faire régresser et ils soutiennent juste pour le fait de soutenir et faire mal à X ou Y. À qui, je n'en sais rien. Maintenant, aujourd'hui, les amis, en Angleterre, vous savez que là-bas, il n'y a pas la corruption dans les statistiques et autres. Et André Onana n'a pas la capacité de pouvoir monnayer la Premier League pour pouvoir faire toutes ces statistiques. Et ça saute à l'œil. Il a deuxième meilleure performance en Angleterre aujourd'hui, les amis. Et il a le meilleur taux d'arrêt en Premier League. Le meilleur taux d'arrêt en Premier League. Il a 7 clean sheets. 7. Je répète, André Onana a 7 clean sheets. C'est donné? Il a 74% de taux d'arrêt. Et dans les vestiaires aujourd'hui, il est adulé. Il faut dire qu'au début, les Mancuniens criaient sur lui. C'était pas ça, on le critiquait et tout. Mais il a pris la mesure de la chose aujourd'hui.
et avec Nottingham. On a vu le match 1-0. André Onana est devenu vraiment un véritable chat. Oui, André Onana, il faut l'apprécier à sa juste valeur. C'est un bon gardien. Il deviendra un très grand gardien très bientôt. Et il fait partie des rares qui ont joué dans les grands clubs en Europe en tant que gardien de but. On peut citer Kono, on peut citer Bell Joseph Antoine, on peut citer Kamini, on peut citer qui est encore là, j'ai dit Kamini, et André Onana, en tant que gardien. C'est vrai que le Cameroun a une histoire des bons gardiens, mais les gardiens que je viens de citer, ce sont des véritables légendes. Oui, des véritables, des gars qui ont de l'impact dans leurs équipes. Donc, il faut respecter les gens. Il ne faut pas venir avec des arguments qui ne tiennent pas debout juste pour protéger les intérêts de X ou Y. Thank you, dear friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.